Ok. Aïe, 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 aïe. Ok, il fait jour. Oh, il y a un irradié. Allez, allez, petit poulet, c'est donc le deck. J'espère que le moral est bon, que la forme est exceptionnelle. Aujourd'hui, jour 77, jour de Horde et surtout, jour de rénovation au Macumba Night. Hein, parce que là, je suis en train de faire une entrée, mon petit. Comme la boîte a du succès, force est de constater que tout le monde n'arrive pas à rentrer. Donc, à défaut d'agrandir la salle, j'ai agrandi l'entrée. Bon, alors, la salle, il n'y a rien qui a bougé de plus que la dernière fois, de toute façon. Je suis en train de modifier un petit peu l'entrée, voyez. L'idée générale derrière tout ça, je vais tout de suite vous montrer. Hop! Bon, c'est de mettre une porte ici, là. Et de pouvoir tabasser les zombies en jetant des cocktails Molotov, en attendant qu'ils atteignent, bien évidemment, notre rampe. Et c'est ici que je pourrais positionner mes différentes tourelles et compagnie, histoire de bien les accueillir, en espérant que tout le monde arrive par là. Faut que je finisse de casser ça, faut que je pose toute mon électricité, faut que j'améliore tous ces blocs, ce qui va nous prendre un certain temps. Et après, je pense qu'on pourra enfin avoir de quoi faire. Ça va être long, hein. Je vous cache pas que ça va être un petit peu long. Ah, si, une bonne nouvelle quand même. Parmi tous ces malheurs, laissez-moi me dépêcher et ne pas me perdre. Hier, j'ai récupéré, je suis retourné voir Bob pour lui donner, rendre la quête. Il m'a donné de la misère en récompense. J'ai donc pris une autre quête, vous la voyez en haut à droite, c'est une quête de nuit, mais on va pas faire ça maintenant. Ce serait rigolo de faire une quête de nuit pendant la Horde quand même, ce serait assez drôle. Peut-être, je garde ça dans un coin de ma tête. J'ai récupéré... Et je les ai rangés ici, des petits livres. Alors, je les ai achetés. Hein. Donc, voilà. Cyclomoteur. Je prends les autres. Je peux donc fabriquer une moto. Je peux donc fabriquer une moto. Là, j'ai pas bien le temps. Hein. Je vous cache pas que là, je suis plutôt pris. Hein. Les deadlines sont short, comme qui dirait. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Il faut que je continue à bosser, à améliorer tout ce bazar. Alors là, on devrait être pas mal. L'idée, c'est qu'en gros, ça fasse un peu entonnoir et ça concentre les zombies à venir ici, plutôt que d'aller tout péter dans les pioles. Normalement, j'ai tout renforcé. J'ai renforcé de chez renforcé. Il y a plusieurs couches. Là, il y a deux couches. Là, il y en a trois. Il y a des zones, des pièces vides à l'intérieur que j'ai remplies, j'ai comblées. Vous voyez, là où il y avait les tourelles avant, ça, je vais pas le casser, j'ai pas que ça à foutre. Mais normalement, il n'y a aucune raison à ce qu'ils essaient de casser des blocs et de pas passer au bon endroit. C'est... Attends une minute... Ah ouais, ça par contre c'est très dangereux. Vous voyez, là on est sur un cas d'école. C'est très bien que vous voyez ça. Ça vous permet de vous rendre compte à quel point ça peut vite dégénérer. Vous oubliez ça en vous disant on s'en branle, les zombies vont pas s'acharner. Tiens, le zombie il arrive, il saute. Bon attendez, ouais, les zombies ils sont plus agiles que moi. Hein. Vous inquiétez pas. Hop, il arrive là et alors là c'est l'anarchie. Parce que ça c'est pas renforcé, il pète ça, il rentre dans la piole, terminé. Finito, c'est fini. Vous êtes mort. Donc ça il va falloir que je le fasse péter aussi. Putain c'est tout en béton, ça me fait chier. Mais si je fais juste péter ça et ça, normalement ça devrait être bon. Donc j'ai fait un petit espace pour mes tourelles, avec une échelle dedans, une échelle dehors pour pouvoir sortir. On mettra peut-être potentiellement après de l'électricité dedans. Voilà, je pense pas qu'il y ait... putain, il y a toujours un... J'ai voulu faire ça par souci d'esthétisme, mais j'ai bien l'impression que les zombies vont en profiter pour faire des trous, et pour faire des escaliers, et grimper à un endroit où c'est pas prévu. Mais bon, finalement c'est peut-être plus marrant comme ça aussi, donc on va laisser comme ça. Là il faudra que j'agrandisse un peu. C'est... Ah putain, j'ai oublié, il faut que je mette le nom de la boîte aussi, bon dieu. Je l'avais enlevé la dernière fois, oh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Ça va être long ça va être très très long. Ah merde, quel con. C'est bon. C'est maîtrisé. Je suis persuadé qu'ils vont essayer de passer par là. Franchement, ce qui me ferait chier, c'est que les zombies décident de taper dans les murs, pour plutôt que prendre le chemin... faire de l'autre côté. Et j'ai toujours cette peur que les zombies qui arrivent, qui pop et qui apparaissent derrière en fait le bâtiment continuent d'essayer de traverser et ça me ferait très vite chier. Mais il faut garder un peu d'espoir. Donc j'ai mis en bas les deux blocs d'en bas parce que c'est là où ils vont taper, c'est du béton. Comme ça, ça les évite de taper. En haut, c'est de la pierre. En haut, c'est du bois. Je laisse comme ça parce que pour l'instant, j'ai pas assez de ressources. Je vais manquer de bois. Donc c'est même pas sûr que j'arrive à finir. C'est midi 34, ça va être chaud hein, parce qu'il faut que je place l'électricité. Il faut que je remette Macumba Night. Ça va être compliqué. Hein. Quand il va falloir péter tout ça parce que ça va pas, ça va piquer le derche, hein. J'ai autant vous le dire, à mon avis ça va pas être agréable. Hein.
Ah, mais il faut garder espoir, il faut considérer que ça fera. Par contre, va falloir repeindre. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps, honnêtement, je sais pas si j'aurai le temps, on verra bien. Bon, bah c'est joli comme ça. Regardez, c'est pas mal, hein. Bon, alors là, ça trompe personne, hein. On voit que c'est du bois quand même, hein. C'est du pas cher, hein. Ouais, là, c'est l'isolation à 1 € fait par des Turcs, hein. Là, c'est franchement, c'est pas. Voilà, c'est pas cher. C'est pas cher, il faut pas chercher à comprendre. Ça coûte pas cher. Je vais quand même pas mettre du béton par terre, on s'en fout. Je veux dire, c'est bon. Faut pas exagérer. Là, il y a eu un petit manque de vigilance, mais c'est pas grave. On fera comme si on n'avait rien vu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça commence à prendre forme. Ah, voilà, on retrouve le Macumba Knight. Alors, je vais devoir améliorer ces trucs, par contre, parce que ça va faire vilain. Attendez. Faut que je récupère des blocs de base. Ça aussi, ça sent mauvais, hein, franchement. Là, ça fait vraiment... J'imagine bien des zombies courir sur ces trucs-là. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Ah merde, j'ai oublié d'avancer. Ah merde, j'ai oublié d'améliorer ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais les mettre en pierre, ça suffit quand même. Putain, on les voit plus. Ouais, mais je vais les repeindre. Alors, en peinture, par contre, j'hésite. J'hésite en peinture. Soit j'écris en lettres d'or. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs or. Hein. Soit je fais les couleurs du Brésil, mais le vert, il n'est pas très joli, donc je pense qu'on va rester sur couleur or. Ah merde, je me suis planté. C'est bon. Non, ça fait vilain. Ah, hein. Oh, c'est couleur or, on va dire que ça fait pas vilain. Allez, on s'en fiche. C'est pas le moment, vous, là. Laissez-moi tranquille. Du monde un peu ou pas? Ah, ils sont là. Putain, on voit rien du tout, il fait nuit. Ah, il y a un gros, là. Enfin, un gros. Disons qu'il est un peu dans bon point. C'est pas le plus gros qu'on ait, mais bon. C'est pas non plus le plus léger. Attends, on va essayer de se débarrasser d'eux, parce que... Ils vont nous faire chier, ça c'est une certitude. Putain, c'est 17 h. C'est 17 h, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. D'habitude, je laisse toujours un peu... Bien 8 heures de battement. Parce qu'après, on sait jamais ce qui peut arriver. On va en profiter pour décorer un peu la salle, là, mettre un peu d'ambiance. Là. Attendez, où sont mes bougies? Elles sont là. Mettre un peu quelques bougies un peu partout. Alors, je sais qu'ils vont tout piler, mais ça, c'est pour l'ambiance, ça, vous voyez. C'est feutré, c'est tamisé, c'est magnifique. Une là. Faut que je bricole un petit bar. Mais faut pas trop que ça gêne non plus. Vous voyez, regardez. Hop! Magnifique. Oh là là, super. Avec de quoi payer, bien sûr. Ouais, j'ai acheté ça chez les traders. Je ne regrette rien. Ah putain, j'ai posé mon pinceau. Merde, faut qu'on remonte. J'ai posé mon pinceau, je suis trop con. Je prends le temps de décorer. Je vais pas les améliorer, ces blocs, hein, parce que je sais très bien comment ça va finir. Hein. C'est voilà, histoire d'accueillir nos invités avec ce qu'ils méritent, vous voyez. Le respect qu'il mérite. Laissez-moi juste attraper. Il va falloir que je me manne le cul parce que c'est 20 h. Après, il faut que j'attrape toutes mes munitions, toutes mes armes. Ok, c'est bon, ça va le faire. Il faut pas paniquer. J'avais besoin de quoi? D'un pinceau. Et de la peinture. Ok, on y va, on y retourne. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Hop! Regardez, hop, magnifique, avec une prestance, une aisance. Alors, attendez. Ça, c'est pas mal, ça. Pour faire... ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, on a quoi d'autre? Armoire taupe. Ça, c'est bien, ça. Voilà, comme ça, là. Là, c'est bien, ça fait bien bistrot. Là. Après, il me faudrait... Il faudrait quoi? Clôture en bois, non, c'est nul. Ah, plancher. Pour, bien sûr. Bah là, je suis obligé. Ok, et sur les côtés, on va mettre quoi? Du bois aussi. Allez, c'est un bar. C'est un bar, c'est en bois. Voilà, parfait. Magnifique. Magnifique. Voilà, petite ambiance au Macumba Night, les amis. On réouvre après les travaux. Petite réouverture après les travaux. C'est magnifique. C'est magnifique. On va aller chercher des armes. On va aller chercher tout ce qu'on a besoin. On va lancer la production aussi. Et normalement, ça va tout casser. Ok. Là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai pris mes armes. J'ai pris mon vulture pour le corps à corps. J'ai pris ça si ça dégénère. J'ai ma masse. C'est tout réparé. Normalement, j'ai de quoi encore réparer s'il faut.
J'ai la bonne sauce de papy, j'ai des painkillers si jamais ils m'en mettent dans la tête, j'ai de quoi me soigner triplement parce que j'ai ça, j'ai pas pris, bon j'ai pris de la bouffe pour chien mais on s'en fout, faudra bien que je la passe un jour ou l'autre. On est chaud. Ce que j'ai peur, c'est qu'ils décident de monter ici. Parce que là, ça risque de dégénérer assez vite. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, normalement, fatalement, ils devraient venir dans la rampe, voilà. Petite déco, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, normalement. Là, j'ai pas remis de munitions, mais ça devrait suffire. Ouais, non, mais c'est bon, je vais pas y aller maintenant, de toute façon, parce que après, on sait comment ça va se dérouler. Est-ce qu'ils vont passer par le chemin? Allez, allez, on se signe, là, on se signe de la croix. Avec un peu de chance, le Seigneur nous entendra. Normalement, ils sont censés tous venir ici. Voilà, c'est ça y est, c'est 22h. Et je ne vois personne. Ah, en voilà un. Ah oui, mais il faut peut-être activer les... Oui. Bon, ça a l'air de fonctionner déjà, c'est pas mal. Voilà, regardez, regardez, ça marche bien. Ça marche très très bien. On va prendre la bonne sauce de papy. Ça marche très très bien, regardez ça. Ça marche très très bien. C'est magnifique, c'est un plaisir de les voir. Oula, attention aux flics. C'est bon. Regardez ça, ils arrivent tous au bon endroit. Ils arrivent tous au bon endroit. Bon, il y en a pas mal qui ont réussi à s'en sortir avec les balles. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Petite sauce de papy. Et c'est parti, on va commencer à cogner. C'est parti, c'est parti. Il y a beaucoup de costauds. Il y a un chien de merde. Bon, ça commence bien, le flic vient d'exploser. C'est jamais bon signe, ça, quand le flic explose. Mais bon, on va dire que c'est normal. Il commence à y avoir des chiens de merde. Hein. Il commence vraiment à y avoir des chiens, la con. Attends, le flic va exploser encore. Je crois qu'il a explosé en bas, non? Oh, mais ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, mais ça se fait. Hein. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Oh, super. Ah putain, merde, la bonne amie, j'ai oublié de la poser. Attendez. J'ai fait une erreur. J'ai commis une erreur. J'ai oublié de poser la bonne amie. Là. C'est pour qu'elle puisse tirer sur les vautours de merde. Putain, ça canarde dans tous les sens, là. Grosse, grosse soirée au Macumba Night. Là, il y a du monde. Là, c'est un projet X, là. C'est un projet X. Ça conne de partout. Attends, on va couper ça. Est-ce qu'il faut que je répare un peu? Un petit peu, un petit peu. Mais tout va bien pour l'instant. Ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, derrière, ça tape encore. Il va falloir quand même se méfier. Faut se méfier des spiders. Le problème des spiders, c'est qu'ils ont tendance à se mettre à quatre pattes. Et à passer entre les deux pôles, là. Donc c'est pas bien bon. Mais pour l'instant, on assure. On assure. Voilà, ça c'est pas mal. Ça. Attention, gare au flic. Le flic est décédé. Ils me font chier, ces chiens-là. On est pas mal pour l'instant, on est pas mal. Mais ça peut dégénérer à tout moment. Pour l'instant, la soirée est maîtrisée. Ils ont même pas cassé le bar, regardez. Ils ont pas encore cassé le bar. Wow, 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 c'est quoi? Peut-être que je ferme cette porte. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Putain, ils envoient les flics. Ils envoient les flics. Ils essayent d'arrêter la soirée, là. Ah, ils ont envoyé les forces de l'ordre. Écoutez, il n'y a pas de GHB dans nos verres. Hein. Le règlement l'interdit. Ici, c'est que du consentement. Allez mourir. Oh, putain, j'adore. Exceptionnel. Exceptionnel, ça tape. Hein. Putain, à l'arrière... Putain, à l'entrée, ils font pas long feu. Hein. Là, il y en a un paquet qui se font descendre. Ça, ça fait plaisir, ça. Ah, le videur fait le boulot, hein. Là, tous ceux qui sont refusés, hein. Il y en a un paquet qui sont refusés à l'entrée. Me font chier, c'est que les bars, là.
falloir réparer un peu. Oula, oui. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Wow, 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 wow. Attends, on va les faire descendre, ces cons-là. Garo Spider. Ok, on est bon. On est pas mal, on est pas mal, on coupe. On coupe. Merde. Très pénible les chiens. Très difficile à atteindre. Faudra peut-être que je prévoie quelque chose pour interdire l'accès aux chiens à la boîte de nuit, hein, parce que c'est quand même pas très hygiénique. Hein. Ça y est, c'est fini? Non, ça arrive. Oh, un vilain pas beau. Un vilain pas beau. On a notre guest. On a notre invité spécial, le DJ qui vient d'entrer en scène. Le vilain pas beau. Regardez-le. Oh là là, comme il est beau. Il est magnifique. Merde. Ah putain, il s'est baissé, ce con. Bon, j'ai été obligé de l'abattre. Parce que les musiques qui passaient étaient copyrightées. C'est pas bien bon, c'est pas bien bon. Alors pour l'instant, ça va bien. Ça va très très bien. Ah, j'ai faim, attendez. On va prendre le temps de manger. On se met en retrait un peu. Histoire d'admirer, d'admirer le boulot. C'est magnifique, hein. Franchement, un travail de fou. Un travail de fou furieux. Allez, c'est bon. Eh ben, c'est facile, hein. Oh non. Ah, ça tape. Ça tape. J'entends que ça tape, mais à un endroit où ça devrait pas taper. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont coincés. Ah putain, monsieur, vous avez rien à faire là. Ah, ils ont réussi à faire un trou, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? On a invité les danseuses de French Cancan. C'est n'importe quoi. C'est... Ah, ça y est, les premiers irradiés qui débarquent. Ils arrivent toujours à la fin de la... Oh! C'est bon, là, tranquille. Par contre, il y a un problème, parce que j'ai l'impression qu'ils sont coincés quelque part. Et je n'aime pas trop cet état d'esprit. Je ne sais pas où ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont par là. Et qu'ils sont en train de taper à un endroit où ils devraient pas taper. Et je sais pas où est-ce qu'ils sont. Oh là là, ils sont en train de tout piler dans la piole. Ils sont en train de tout piler. Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont en bas, là. Je vois pas, j'ai pas accès, malheureusement. Ah si, peut-être qu'en mettant là. Ah, je les vois pas. Je sais pas où ils sont. Ils sont perdus. Ah, ça y est, ça commence bien. Je sais pas où ils sont, mais ils sont nombreux parce qu'ils sont en train de tout défoncer. Ah, le bar a déjà un coup du plomb dans l'aile. Hein. Je sais pas du tout où ils sont, ces connards. Je pense qu'ils sont juste en dessous de moi, mais j'ose pas aller voir. J'ai pas assez de courage. Ah, ils sont là, ils sont là. J'ai vu un bras. Donc ils sont en train de faire ce que je voulais pas qu'ils fassent, c'est-à-dire casser les murs latéraux. Ah, merde, y'a du monde, là. Attendez, laissez-moi prendre ma petite boisson. Voilà. Ah, quand ils vont réussir à passer, ça va être compliqué parce qu'ils vont arriver tous en même temps. Ouais, j'en profite pour looter, moi, vous savez, j'ai point de honte. Mais qu'est-ce qu'ils sont où, bon Dieu? Ah ouais, non, mais là, je sais pas par où ils veulent passer. Mais ah, ils sont tous là, tiens. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas où ils sont. Ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est du genre à m'inquiéter parce que s'ils passent... Ah ouais, oh, ils arrivent tous par là. Ok, ah ouais, d'accord, là c'est pas bon, ça. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais... C'est pas bon parce qu'ils vont trouver un passage à la con pour venir me faire chier. Va peut-être falloir que je descende dans la fosse au lion, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils arrivent tous par là, d'accord. Ils arrivent tous par ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi ils arrivent par là. Alors que là, il y a un passage magnifique, rutilant même. Mais oh merde, ils sont là. Allez, c'est pas grave pour l'instant. C'est maîtrisé. Allez, va mourir, toi. Eh merde. Ok, il commence à passer, il commence à arriver. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, il est mort. Le sac, le sac, le sac. Allez tous mourir. Tous autant que vous êtes.
Ok, je prends le temps de manger. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ils ont de se mettre à quatre pattes? Je comprends pas cette stratégie. Bon, au lieu de ça, c'est pas trop mal. On a qu'un seul irradié pour l'instant. Ouh, lui, je lui ai brisé les couilles. Il est pas mort, lui? Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres vautours, donc aïe! Donc je pense que la bonne amie doit faire son boulot. Et tous les zombies arrivent par le côté, par côté en fait. Ils arrivent tous par là, j'ai l'impression. Ce qui va être un petit peu chiant. Arrêtez de casser, messieurs, dames. Aïe, putain, mais c'est pas vrai. Ah, il faut faire du ménage. Oula, ça va casser, là. Ça va casser, attendez, je peux pas tout faire en même temps. Ok. Bon, je crois que je vais les laisser casser parce que j'ai très envie de tester, d'ouvrir le carré VIP. Ah, un irradié, attention. Aïe, wow, 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 wow. Putain, j'ai eu peur. Oh, il m'a fait peur, ce con. Attendez, je vais me soigner un peu, quand même. Et puis, je vais mitrailler, là, parce que commence à y avoir un peu de monde. Putain, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, mais pour l'instant, ça passe pas. Pour l'instant, ça passe pas. On maîtrise, on contrôle la situation. Allez, la bonne amie, là. Tue-le, ce vautour, tue-le. Ah, elle l'a eu, elle l'a eu. C'est pour ça que j'ai mis ce pilier, comme ça, elle est un peu plus haut pour leur taper dessus, c'est plus pratique. Faut juste que je surveille qu'elle ait toujours un peu des munitions. Parce que des fois, il se peut qu'elle en ait moins. Hop, j'en profite aussi pour ramasser ça. Hein. Merci. Ça aussi, je ramasse, hein, merci. Aïe, putain, mais ils ont cette... Ah, merde. C'est vrai que j'ai pas pensé à réparer mes armures. C'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Voilà, il commence à y avoir du monde, là. Attendez, on va allumer les pièges, parce que... Là. Attendez, on recharge tranquillement. Ok, c'est bon. Du coup, là, ça pousse... Ah, putain, j'ai eu peur. Non, c'est bon, c'est le cas de lui autour. Ça passe plus vraiment du côté où ça doit passer. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Va falloir que je fasse encore un mur pour éloigner tout ça. Ok, c'est bon, on ferme. On peut couper, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Allez tous mourir. Ah, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, pour l'instant, c'est encore... Est-ce que c'est encore doublé? Bonne question, ça. Ce n'est plus doublé, d'accord, on est dans la merde. Non mais j'ai envie d'ouvrir le carré VIP, alors je vais les laisser passer pour l'instant. On va essayer de les laisser un peu passer. Mais bon, faut pas qu'ils arrivent à 300 000 par contre, parce que ça peut être dangereux quand même. Hein. J'entends aussi des vautours, mais... Bon, j'en profite, moi, je... Il est passé où, là? C'est bon, ça craint rien. Ok. J'entends des trucs. Il y a un vautour quelque part, mais je le vois pas. Il est où, ce con? Il est là. Bien joué, la bonne amie qui fait le boulot. Ok, c'est pas mal. Toi, va mourir. Ah, allez, putain, mais cette manie qu'ils ont de se baisser. C'est terrible, ça. Ils commencent à être nombreux, ils risquent de glitcher à travers les murs. Ce qui est pas pour me ravir. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Allez, va mourir. Ah, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif. C'est toujours pareil. Attendez, attendez. Bon, comment ça se passe en bas, là? Je sais pas pour où ils arrivent, en fait. C'est ça qui est pénible. Je crois qu'ils arrivent pas par l'endroit où ils devraient arriver. On fera un contrôle après de où ils sont censés arriver et de où ils sont pas censés arriver. Merde, je me suis trompé de... J'en profite, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Voilà, cliquette qualité 4. Vous voyez, ça vaut le coup, hein. Bon, j'ai la boulonneuse, mais c'est pas grave. On va dire que... Oh là là, quelle violence. Et en XP, on se gave, hein.
En XP, on se gave. Putain, quelle ambiance. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oulala. Aïe. Ils arrivent quand même à m'en coller 2-3, mais... Par contre, il n'y a eu qu'un seul vilain pavot, c'est un peu décevant. Hein. C'est... Ah, oula. Ah, il y a du monde qui arrive, donc ils ont trouvé un passage. Mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ils ont trouvé un passage. On s'en fiche. Pour l'instant, c'est pas mal. On l'emporte, on est toujours dans la victoire. Je crois que je vais boire ma dernière sauce de papy. Dit comme ça, c'est dégueulasse par contre. Ah putain. Ah putain. Bon, il y a du monde. Hein. Ah, il y a du monde. Ah, ça y est, ça recommence à taper au bon endroit. Très bien. Ok, on mange un petit coup. Ah mais je suis invincible. J'ai quand même pas monté la difficulté du jeu, je suis déjà en guerrier. Après c'est prendre des risques hein. Wow. Oh, elle a essayé de passer. Oh là là, la violence. Allez, dernière sauce de papy. À la tienne, grand-père. Oh là là, quelle violence. Ah putain, il est passé ce con. Recharge. Ils vont pas tarder à péter, je pense. Ils vont pas tarder à y péter. On va fermer cette porte pour qu'ils se mettent au bon endroit. Attendez. Je m'éloigne. Oh putain, le vautour, il m'a fait peur. Ok, le vautour. Putain, laissez-moi 5 minutes pour souffler, s'il vous plaît. Ok, ils sont passés. Très bien. On va tester le carré VIP. Ça passe pour l'instant. Ok, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tire sur les vautours. Ok, ils sont dans le carré VIP. Mais tout va bien. Ok, ça arrive. Après, faudra comme d'habitude... Attendez, et si je me mettais là? Ok, très bien. Je peux quand même viser, là. Ah, parce qu'il va peut-être falloir ouvrir le couloir crudité, là. Oh, pas encore, c'est tôt. C'est trop tôt. Ok. Aïe. Ok, il fait jour. Oh, il y a un irradié. Putain, il y a du monde, hein. Oh, il y a l'irradié qui va passer. Ok, c'est bon. Il est mort. Il y a encore du monde qui arrive, j'ai l'impression. Allez, va mourir. Ok, il est mort. Ça m'a l'air calme. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait, mais non, mais c'est bon, hein. Ça craint plus rien. Je crois que c'est une réussite, hein. Il y en a un autre qui arrive. Ah, ça s'est prolongé, la soirée s'est prolongée au carré VIP pour un petit after. Et vous voyez mon vocabulaire pitoyable que je ne fous jamais les pieds en discothèque. Allez hop, je ramasse ça. Bon, et bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Alors par contre, ça tape de partout. Alors, il y en a qui sont dans la structure, j'ai l'impression. Oh putain, mais vous vous rendez compte du trou qu'ils ont fait, là, pour réussir à passer? Là, ils ont essayé de passer par là. Il y en a d'autres, je les entends. Faut que je les zigouille avant que les sacs dépopent. Parce qu'après, il va falloir que je me vide un peu, quand même. Faut juste que je les trouve. Il y a encore des connards pour passer à un endroit où ils ont rien à faire. Ça, c'est... Ah!
Ah ouais! Ah mais les mecs, ils ont point de honte. Regardez ça! Ils se sont fait un labyrinthe, les salauds. Je les entends, ils doivent pas être loin. L'impression qu'ils sont de l'autre côté. Là. Donc là, ça passe pas, mais là, il va falloir que je bouge encore. J'avais raison, hein! Ils ont encore essayé de passer à des endroits moins cette fois, moins quand même. Au début, ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai l'impression qu'ils sont un peu là. Ouais, ils sont là, ils sont là. Attention, parce qu'il y en a peut-être qui cavalent, hein. Là! Alors, ils ont fait quoi? Ils ont pété ici. Après, ils essayaient de péter là. Ils essayaient de passer. Hein. Ils essayaient de passer. Mais globalement, et je dois bien le dire, globalement, c'est une réussite. C'est une réussite. Globalement, on a fait du bon boulot. Je pense que je vais peut-être monter un peu la quantité de zombies qui apparaissent dans les hordes. Parce que là, je domine. Je domine, voilà. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Dans 5 minutes, je vais mourir d'une façon stupide. Mais normalement, non. Donc, sinon, ils ont fait à peu près ce que je leur avais demandé. Ils ont fait à peu près ce que je leur avais demandé. Là, ça a dû vider. Ah, même pas. Vous voyez, il y a encore des munitions. Ils sont passés. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pété ça. J'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Là, ils ont carré. Ils ont pété la rampe. Là, ils ont pété ici. Je sais pas. Il y en a un qui voulait, je sais pas, voir la cave. J'en sais rien. C'est bizarre. Il y a un paquet de sacs, hein. Il y a un paquet de sacs à récupérer, il y a un paquet de trucs à faire. On va déjà couper les groupes électrogènes. Et on n'est pas vilain. Donc pour l'instant, on n'est pas encore bon dans le sens où les zombies passent encore à des endroits où ils ne devraient pas passer. Donc il faut que je rajoute encore des épaisseurs et des épaisseurs pour vraiment les empêcher et les concentrer sur ce secteur-là. Et après, on pourra commencer à tirer des câbles. En attendant, mes petits poulets, ben moi je vous dis, on se retrouve pour un prochain épisode.